Des mini millefeuilles à la vanille, très croustillants et très aériens, accompagnés d'une délicieuse sauce au caramel de micelle. Tout d'abord, on va cuire le feuilletage. Il faut le couper en rectangle régulier. N'oubliez pas de sortir votre pâte au dernier moment, sinon elle sera trop molle et elle aura beaucoup de mal à gonfler à la cuisson. Une fois les rectangles coupés, les disposez sur une plaque à pâtisserie garnie d'un papier cuisson ou d'une feuille en silicone. Les recouvrir d'une deuxième feuille et d'une deuxième plaque. Cela évitera au feuilletage de trop gonfler à la cuisson. On enfourne maintenant dans un four préchauffé à 200 degrés pendant au moins 20 minutes. Pour la crème pâtissière à la vanille, on commence par faire bouillir le lait et on ajoute la gousse de vanille fendue dont on aura gratté les graines. Vous mettez le tout dans la casserole. Pendant ce temps, cassez les œufs et les disposez dans un grand bol avec le sucre. Et fouettez vigoureusement. Lorsque les œufs sont bien blanchis, on ajoute la farine. On verse maintenant le lait bouillant sur le mélange œuf-sucre-vanille. Bien mélanger et on remet le tout dans la casserole. N'hésitez pas à remettre la gousse de vanille, plus elle infuse, plus votre crème aura un bon goût de vanille. On remet le tout à cuire à feu moyen. Il faut garder une petite ébullition pour cuire maintenant la farine. Donc comptez à peu près 3 minutes de cuisson. La crème pâtissière va d'abord épaissir et plus vous allez la cuire, plus elle va devenir fluide. Après 3 minutes de cuisson, on réserve la crème pâtissière bien à plat dans un récipient enduit d'un film alimentaire. Puis on la recouvre de film pour éviter qu'elle ne croûte. Laissez-la refroidir à température ambiante, puis l'entreposer au réfrigérateur pendant une demi-heure. Pour la sauce au caramel de micelle, versez le sucre dans une poêle, de préférence à fond épais, qui garde mieux la chaleur. On va attendre que le sucre devienne caramel. Lorsque le caramel se forme, on va incorporer le sucre progressivement. Une fois que le caramel est homogène, on ajoute le beurre, puis la crème. Attention aux projections. Vous avez souvent un choc thermique entre la température de la crème et celle du caramel et ça a tendance à beaucoup éclabousser. La sauce caramel est maintenant terminée. On la verse dans un bol et on la laisse refroidir. Lorsque le feuilletage est cuit, on préchauffe le four du grill à 230 degrés à peu près et on va maintenant le caraméliser. Pour cela, une branlette, l'instrument préféré des cuisiniers, et on saupoudre de sucre glace le feuilletage. On dispose maintenant le feuilletage sous le grill et on attend que ça caramélise. Pour terminer la crème pâtissière, on va monter de la crème liquide façon chantilly. Donc deux choses importantes, vous devez utiliser de la crème liquide entière et elle doit être très froide. Une fois que la crème pâtissière est refroidie, on la bat à nouveau au fouet pour l'assouplir. Et on lui ajoute la crème montée. L'association de la crème fouettée et de la crème pâtissière, c'est ce qu'on appelle une crème légère. On met la crème pâtissière dans la poche à douille. Et maintenant, on peut garnir les millefeuilles. Pour cela, il faut garnir deux rectangles de pâte feuilletée en essayant de donner du volume à la crème. On dispose donc le deuxième étage en faisant attention de ne pas écraser le premier. Et on termine par le troisième rectangle de feuilletage. Il ne vous reste plus qu'à déguster ce délicieux millefeuille à la vanille accompagné de sa sauce au caramel de micelle que vous pouvez dresser à côté. Bonne dégustation !